Bonjour tout le monde, moi c'est Abraham L'Espérance et bienvenue sur Tech et Plus. Dans le tutoriel matin, je vais montrer comment nous sommes capables d'installer macOS High Sierra sur une machine Windows à l'aide de VMware Workstation. Dans un tutoriel que nous avons fait déjà, je vais montrer comment nous sommes capables d'installer macOS Sierra, qui est la version qui a précédé macOS High Sierra. Pour nous faire un tutoriel, je vais dire 2-3 outils que nous avons besoin, que nous avons dans notre folder. Nous avons vu Unlocker. Unlocker, c'est lui-même qui permet nous capables de jouer. Exécuter une machine macOS ou VMware Workstation, parce que VMware Workstation n'est pas fait pour ça. Si nous ouvrons VMware Workstation, nous allons regarder. C'est-à-dire, si nous créons une nouvelle machine, nous allons dans le suivant. Le niveau là, nous prenons compte que nous n'avons pas gagné macOS dans le système d'exploitation. Justement, c'est parce que VMware Workstation n'est pas fait pour ça. Donc, Role Unlocker, justement, c'est ajouter tout outil qui est nécessaire dans VMware Workstation pour nous capables d'installer ou bien exécuter une machine virtuelle sur VMware Workstation. Donc, on a fermé VMware Workstation, donc on a ouvert VMware Unlocker, et puis on a exécuté fichier qui relève win-install-cmd. On a fait clic droit sur lui, et puis on a exécuté en tant qu'administrateur. On a confirmé par oui, yes. Et voilà, là, on a installé tout outil qui est nécessaire dans VMware Workstation. Actuellement, je vais utiliser VMware Workstation 12.5.9 qui est la dernière version ou bien dernier build dans VMware Workstation 12. Là. Cependant, il y a VMware Workstation 14 là, qui sorti. Donc, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous. Unlocker ça, la marché et pour les gens qui ont version 12 là, et pour les gens qui ont VMware Workstation version 14. Là. Ok, donc là, il est fini d'installer, on a fermé ça, on a lancé VMware Workstation pour nous vérifier. On a cliqué encore sur créer une nouvelle machine, on a fait suivant, on a dit qu'on a installé le système d'exploitation après, on a fait suivant. Et si on regarde là, on a pris compte que nous avons gagné Apple Mac OS X qui dans la liste là, que nous avons gagné tout à l'heure. Donc, on va venir là, on va choisir la dernière version, donc version 10-12 là, mais actuellement là, c'est version 10-13 là qui est sortie. Mais c'est pas grave, même si on choisit la version ça, puisque ça le bat nous, on a fait suivant. Et puis, on a pris les lits, j'aime dire que c'est version 13, on va l'installer. On a pris les lits, machine là, Hi, GF, Sierra. Voilà. Et puis, on a choisi côté de la machine noire, machine d'ambler, mettez les sous desktop là, bon folder, mettez les en dans folder, ça, qui est le tuto. On a dit make a new folder, on a pris les VM, on va installer dans folder ça, on va installer le code ouvré, sans problème. On fait OK, on fait suivant. Nous, pour ça, nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous puisque nous allons utiliser l'autre disque dur. Donc, on a fait suivant. On a fait finish. Nous avons une machine virtuelle qui est créée là. Donc, nous pouvons aller modifier quelques paramètres. On a cliqué sur Edit Virtual Machine, Settings, et puis Mémoire. La machine qui est là, c'est 8 Go de mémoire. Donc, pas un problème, on a une machine virtuelle la 4. Ou même sur une machine qui est plus ou câble plus. Microprocesseur, ma gomme seul microprocesseur avec un bali de cœur, pas un problème, souvient plus ou cabali plus. Et j'aime dire, non, nous pas besoin de dire ça, n'a pas effacé, n'a pas remouvé. Et puis, n'a pas ajouté en l'autre, n'a fait add, n'a dit yes. Et puis, nous pouvons aller dans folder, n'a fait suivant, n'a cliqué ça, t'a sélectionné, n'a fait suivant. Là, n'a checké, utiliser un disque virtuel qui existait déjà, n'a cliqué sur lui, n'a fait suivant. Au niveau là, nous pouvons aller dans le folder que nous avons sauvegardé, disque là, je suis dans le folder machine, là, mais pas dans le lien, je suis dans le folder que nous avons préparé pour ça. Donc, mes disques, ou même pour aller dans le folder que nous avons sauvegardé, disque ça, alors fin télécharger là. Donc, là, ça, on cliquer sur lui pour faire open. Je seulement dit que disque ça, là, moi, décompressé, il est librement environ 10 gigas, mais l'autre, pour télécharger là, au moins 6 gigas. Donc, toujours accorder temps et assurer qu'il y a un bon internet pour télécharger les. Donc, je clique sur lui et je fais open, et je fais finish. Là, je viens dans un network adapteur, je vais mettre les en bridge, ça permet que la machine virtuelle ça prenne un adresse IP
directement sur le réseau local moyen dans mes serveurs DHCPA. M'a fait tout bas OK, m'a fait OK. Et là, nous prenons pour nous démarrer la machine. Cependant, avant de démarrer la machine, il faut faire un changement dans le fichier VMX machine. Il y a une ligne de commande pour nous l'ajouter. Donc, le fichier sacré, les codes là, nous avons ouvert, nous avons copié. Ligne ça. Je vais fermer quand je vais aller dans le fichier machine virtuelle. Je n'ai pas oublié que je vais créer Vol 2 Salem, je vais installer là. Nous prenons le fichier que les VMX là. Nous cliquons, clic droit sur lui. Sous une notepad, on ouvre la notepad. Sous une notepad plus plus, on ouvre la avec lui. Et puis on descend jusqu'en bas là, on fait un saut de ligne, on fait CTRL V pour sauvegarder les. Et on ferme les. Donc on a tout bagage en forme, on met fermé Vol 2 ça, on met tourner dans VMware Workstation ou prêt pour démarrer machine virtuelle macOS 1. On applique sur Power on this virtual machine. Donc on a nous aller en mode plein écran. Et là, nous avons une installation de machine macOS High Sierra qui commence. Comme la petite temps, je vais juste faire la vidéo et puis elle est finie. Je vais retourner pour nous continuer avec la configuration machine virtuelle macOS High Sierra. Voilà, donc la machine n'a pas rien. Donc nous allons choisir dans quel pays. Nous allons descendre, nous chercher Haïti. Chez H, voilà. Haïti. Nous fait suivant. Si nous voulons chercher, par exemple, sur table, mettre clavier pour là en AZERTY, en français, on va dire show all pour choisir AZERTY. Mais nous n'avons pas de problème. ABC QWERTY ou bien ABC tout court, c'est même barre là. Nous fait suivant. Donc, si vous avez un ancien Mac ou bien vous avez des données qui sont gardées sur Apple ID, vous êtes capable de toujours transférer. Mais là, on a dit don't transfer any information. On a cliqué sur continue. Si vous voulez sign in avec Apple ID, vous avez tout fait ça. Moi, on a dit don't sign in. On a fait continue. On a confirmé que moi, je voulais skip sign in. Là, mes termes et conditions, donc si vous pas accepté, vous pouvez continuer avec l'installation de logiciel. Nous avons dit accepter et puis nous avons confirmé que oui, nous accepté ou bien nous d'accord. Et puis, la machine non, non, vous voulez lire. Par exemple, d'après les machines, non, take and plus. Username, non, pas un problème. Nous avons quitté les. Comme ça. Nous avons pas un mot de passe. Ou bien un mot de passe, vous voulez. Si vous voulez mettre un int qui permet de s'oublier le mot de passe ou carapelo qui s'allie, sinon, pour quitter le fil, vous pouvez marquer là, optionnel, donc c'est que il n'est pas obligatoire. Suivant, et actuellement, là, on a créé user ou bien utilisateur. Voilà. Si vous voulez changer settings, donc paramètres, vous pouvez toujours aller dans Customize Settings. Sinon, juste quitter paramètres par défaut que vous choisissez. Et vous faites suivant. Moi, je vous conseille d'aller dans Customize Settings pour nous assurer que nous avons Apple droit à s'annouveler. Mais là, comme c'est juste pour une démonstration, je vais juste faire Continue. Et voilà, nous avons un Mac noir qui finit configuré. Cependant, nous prenons compte que là, nous n'avons pas gagné un bon affichage. C'est peut-être ça. Je vais sortir en mode plein écran. Nous prenons compte que nos folders ont été gagnés sur desktop là. Nous avons gagné un fichier, un ISO. Justement, c'était ISO de VMware Tool. Donc, ça permet que nous avons un meilleur affichage. Donc, nous avons venu là. Il y a deux façons qu'à installer VMware Tool. Sur Internet, ou quand juste venez là, vous cliquez sur VM et vous faites installer VMware Tools, là tout attaché pour l'installer. Li. Dans le cas contraire, si vous n'avez pas gagné, vous juste venir dans le fichier machine virtuelle, ou aller dans CD, ou dit Use ISO Image, ou aller dans Browse, et puis vous allez sur Desktop là côté lié, dans le folder ça, ou attacher ISO ça. Vous faites OK, ISO après le monter, voilà, mais il monte là, nous pouvons retourner en mode plein écran. Vous pouvez cliquer deux fois sur lui. Et vous cliquez sur Install VMware Tools deux fois.
On dit continue, installe, on va confirmer, on va monter le passeport pour confirmer. On dit continue avec installation. Après installation, on va bien pour redémarrer la machine virtuelle. Et par la suite, tout est supposé en forme. Et voilà, installation faite avec succès. On clique sur redémarrer pour redémarrer la machine virtuelle. Et voilà, la machine a fini de redémarrer. On a entré le mot de passe. Entrée. Et là, nous avons une alerte de sécurité qui dit que il y a une extension qui a été installée que le système n'a bloqué. Donc, si nous voulons autoriser, nous pouvons aller dans Security and Privacy. Et puis, vous nous capable de faire ça. Pas de problème. On a fait OK. Nous pouvons aller dans System Preferences. Nous pouvons aller dans Security and Privacy. Et là, on a pris justement que nous avons VMware Tools qui est bloqué. Donc, on a fait autorisé. On a fermé l'icône. On va fermer ça. Nous quand même éject VMware parce que nous pas besoin de lire encore. On a pour démarrer machine là encore. Pour nous capable parce que on a autorisé VMware pour l'exécuter pour lui capable prendre full écran normal là. On a fait restart. Quand elle a fini de démarrer, vous supposez ouais, que la machine virtuelle ou en fit écran que vous pouvez utiliser sans problème. Voilà, il en a déjà ouais, que écran déjà plein. Donc il a juste fait entrer le mot de passe non. Et voilà, nous rendons compte que l'écran nous plaît. Donc, si l'heure n'est pas correct, on va aller dans l'heure pour aller changer fuseau horaire. Donc, time zone. Probablement, on va cliquer deux fois là. On va mettre le mot de passe. Et voilà, on va venir dans les salaires. Chercher Haïti. Non, on va effacer net. Haïti, pas de prince. Voilà, c'est lui. Oh, Haïti là. Voilà. Bloqué. Et là, pour nous compte, il est 6h15 qu'on y a là du matin. Donc, je dis dimanche. Dimanche 11 mars 2018. Ok, donc vous faites tout ce que vous avez pour faire. Après ça, donc, si vous avez Office, vous installez Office sous lui. Si vous avez l'autre programme installé, vous installez. Mais Max est fonctionnel. Vous avez quelques programmes que vous pouvez installer. Programme surtout qui m'a dit un pile ou ressources en termes de carte graphique. Mais sinon, n'importe l'autre petit programme, vous êtes capable de bouler sous lui sans problème. Mise à jour, capable de faire mise à jour. Si je ne me trompe pas, vous avez une mise à jour 10.13.3 qui sortit. Donc, probablement si nous vérifions la checker sur update, donc probablement n'a pas lié. Mettez à jour Mac on va faire sauver avec Max AA. J'aimerais dire non, excepté l'autre programme qui m'a demandé un pile ressources. Par exemple, sur table, entrer dans editing, vidéo editing, donc c'est un programme ça va demander un pile ressources en termes de carte graphique. Donc pas oublier que c'est une machine virtuelle qui dépend de carte graphique machine haute là. Donc il n'est pas évident que on va faire genre de bail ça sur lui, mais à part ça. Recevoir email, aller sur internet, ouvrir Word, taper un document, etc. Donc tout ça, vous êtes capable de faire sur ma courant sans problème. Et nous avons juste de vérifier si il y a une mise à jour. Et voilà, donc nous prenons compte que là, il fait nous connaître que justement, nous avons plusieurs mises à jour. Nous avons une mise à jour iTunes, iTunes 12.7.3 qui est disponible. Et puis nous avons une mise à jour pour macOS High Sierra qui est 10.13.3 qui est disponible tout.
Donc c'est ça, donc là ça va cliquer sur Update All, ou bien on va choisir Update Yoyun Payoun pour faire mise à jour là. Et puis après ça, Mako app totalement opérationnel. Donc c'est sous notre ça m'a mettre fin à tutoriel ça. Si nous remet li, m'a demandé nous pour nous like li et puis pour nous partager li avec amis nous qui remet technologie. Pas oublier que un objectif principal channel là c'est arriver gagner au moins 1000 abonnés pendant l'année ça. Donc m'a toujours continuer nous demander nous pour nous faire promotion pour channel là, inviter famille, amis pour aller abonner à channel là. Et puis monde qui t'attend tutoriel sur virtualisation, dernier tutoriel qui a clôturé série sur virtualisation. Moi j'ai un petit problème technique avec machine que m'ta fait tutoriel là, donc actuellement là m'a refaire les pour me mettre exactement côté nous dériver pour nous capable faire dernier tutoriel là. M'a pas annoncé nous que un tutoriel qui va venir notamment sur PFSense, PFSense qui c'est un programme qui permet de configurer une routeur ou bien transformer une machine en routeur. Moi j'ai un tutoriel qui va venir sur Plex, Plex qui permet de créer un serveur de médias. Donc nous avons un pile tutoriel qui va venir. Donc toujours été branché channel là et puis toujours continuer à faire promotion pour channel là. C'était moi et ma brame l'espérance de Tech et plus. Je vous dis à tout. Bye bye et à très bientôt pour le tutoriel.